Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, très heureux de vous accueillir sur la chaîne pour une nouvelle découverte. On va jouer aujourd'hui à Urtuk, la désolation, The Desolation, un jeu qui est en accès anticipé, qui est encore en cours de développement par une petite équipe d'indépendants, et c'est du combat tactique au tour par tour. Ça, c'est une phase du jeu, on va être un petit groupe de combattants contre un autre groupe de combattants sur un plateau de jeu avec des hexagones, et puis l'autre partie, eh bien, c'est la gestion du groupe, le déplacement sur une carte du monde, d'événements aléatoires en événements aléatoires, vous allez voir. Et avec un but final, on va commencer la campagne pour voir un petit peu le background. Je vous expliquerai un petit peu quel est le but du jeu. Vous pouvez commencer pour l'instant le groupe avec trois groupes préconfigurés, qui sont autant de classes que vous voyez ici. Donc il y a 9 classes déjà possibles dès le début du jeu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que celle-là d'ailleurs. On va choisir prêtre. On part avec un prêtre, un genre de chevalier. Et ici, un berserker. On peut choisir deux objets supplémentaires pour nous aider un petit peu. Bon, prenons par exemple le bouclier d'argent pour avoir plus de défense. Lui peut équiper les boucliers. Et prenons la contre-attaque 2. Ça ajoute le trait contre-attaque 2, ce qui va permettre de faire une contre-attaque critique pour chaque blocage. Ça veut dire si un allié est suffisamment protégé ou évite un coup. Et donc s'il bloque, eh bien alors... il va pouvoir faire une contre-attaque critique automatiquement, ce qui me paraît plutôt pas mal. Trois niveaux de difficulté, exploration, aventure, pour ceux qui sont bons dans les combats tactiques, RPG tactiques, et aussi qui ont une expérience du jeu. J'ai très peu d'expérience du jeu, mais si je meurs, c'est pas grave, c'est juste une découverte. Et puis là, évidemment, épique, ça va être la difficulté max. On va jouer en tant que Urtuk, je pense qu'on est le prêtre du coup dans ce cas-là. On a été maintenu en prison dans les terres désolées, dans les sous-sols, dans le sanatorium. Et on a subi des expériences pendant des années. Ça nous a filé une maladie mortelle. Et pour la trouver, on va devoir voyager, on s'est échappé, pour trouver un remède à cette maladie. On va voyager dans les terres désolées. Attention que de temps en temps, si on reste trop longtemps dans une zone, eh bien, le Karula va apparaître, c'est un monstre qui va nous pourchasser pour nous obliger à avancer en fait sur la carte. Grosso modo. Hein. Alors on va commencer par gérer le groupe. Ça c'est le niveau. Urtuk, prêtre niveau 1. Tous mes gars sont de prêtre sont de niveau 1. Ça c'est l'équipement. Donc vous voyez déjà qu'au niveau de l'équipement et des personnages, vous avez, je pense, une forte ressemblance avec le style Darkest Dungeon. J'aime vraiment beaucoup ici le... voilà, c'est unique tout en ressemblant un petit peu, mais c'est pas du copier-coller, j'aime bien. Vous avez le bouclier ici d'argent, 441 de protection. Là, c'était 170, donc c'est bien mieux. Et la contre-attaque, on va la mettre sur... peut-être celui qui a la plus grosse armure, justement. Voilà. On espère pouvoir monter son armure tellement qu'on pourra bloquer les dégâts et faire la contre-attaque. Tout ce qui est compétence, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Chaque classe peut porter des types d'équipements différents et peut également porter des genres de mutateurs, de mutagènes, on va dire. On va soit avoir au début, soit récolter après les combats. Voilà. Donc là, on s'est équipé et on va aller de point en point, essayer de trouver des choses intéressantes. Voilà, le petit groupe se déplace. On peut regarder les rumeurs qui vont essayer de nous donner, qui vont nous donner des petites trucs, des petites indications sur les choses qu'on peut rencontrer par rapport à l'endroit où on se trouve, au nord, au nord-est, vers l'est, avec la difficulté. Voilà, je vais pas tout lire, on va faire un petit peu au feeling. De toute façon, on sait qu'on doit aller vers l'est et vers le nord-est globalement, sans trop traîner. Des prisonniers. Alors, on a un camp qui révèle... oh, c'est un camp caché d'esclavagistes. Il y a 3 cages de prisonniers. Ah ah. Donc le monde, moi, il me fait un petit peu penser à un genre de monde à la Conan, voilà, où la loi du plus fort règne, avec des esclavagistes, des cultistes. Vous voyez un petit peu le topo. Ils sont là, nos amis, entre guillemets. Alors, les combats se font sur une grille hexagonale, où la hauteur joue un rôle. S'il y a trop de différence de hauteur entre deux hexagones, on ne pourra pas passer. Alors, on va d'abord commencer par se placer. Je vais mettre le... c'est pas vraiment un tank, mais... plutôt un personnage équilibré, un guerrier, on va dire. Et on commence la bataille. Alors, ok. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit peu
Voilà, on peut regarder le détail de la classe que l'on a, mouvement 4 pour le prêtre, peut équiper les bâtons, ses compétences, attaque, lead, vous allez voir ce que c'est après, lifesteal pour voler la vie, et la aiguise qui est une protection, et puis il y a des choses qu'on va révéler plus tard, il y a des traits particuliers qui peuvent être révélés que quand on a rempli les conditions nécessaires. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va dire, sur toi, je mets la aiguise. Le prêtre, qui est un genre de prêtre de sang, va prendre son sang quasiment toute sa vie, hein, 33% peut-être dans ce cas-ci, je ne sais plus trop, pour que lui soit protégé par l'Aegis, et donc ses prochains dommages vont être annulés. Donc lui, il va sûrement prendre cher si on s'avance trop, mais... faire aller par là en hauteur avec un petit peu d'avantage. Toi, tu vas aller là. Et tu vas déjà pouvoir tabasser celui-ci. Le jeu se veut très technique au niveau de la gestion des dégâts, des armures, etc. J'ai pas encore vraiment compris comment tout fonctionne, et comme le jeu est encore en cours de développement, ça va sans doute beaucoup bouger. Mais je trouve ça très prometteur. Il y a des critiques, il y a de l'encerclement. On va faire un lifesteal peut-être. Je vais pas le faire parce que je vais pas. Ça va me faire prendre trop de vie à moi-même. Donc on va peut-être éviter. Là, je vais le taper. Bam. Ok. Bon, je vais me mettre là pour être à l'opposé de lui. Et donc, quand on va attaquer, on va pouvoir faire... et que ça s'active un critique. Bon, il est un petit peu costaud celui-là. Je pense qu'il doit avoir beaucoup d'armure, probablement. Ouais, il avait une armure de 119. Une armure ici d'écaille sur son torse. Alors, si vous regardez un petit peu les stats ici, vous avez HP, les points de vie, les dommages. La timeline, je pense que c'est la position sur la ligne du temps par rapport à sa vitesse d'exécution, son initiative. Stamina, son endurance, je ne sais pas encore exactement comment ça joue dans le jeu. Et AP, c'est, je pense que c'est l'armor piercing. C'est la capacité de son arme à être efficace et à détruire l'armure ennemie. Donc très efficace contre lui sans doute. Voilà, on a fait 115 de dégâts de bris d'armure, de brisage d'armure. Alors je vais utiliser cette compétence-ci qu'on a vue vaguement avant. Lead, mener. C'est un leader en fait, le prêtre. Ça coûte 45 en stamina justement, voilà, en endurance. Et ça va causer le fait que la cible va être attaquée par tous nos alliés de mêlée adjacents. Y compris lui, donc chacun son tour, ils attaquent tous. Donc le mec se fait un petit peu prendre de tous les côtés. Et on donne pas cher de sa peau, mais en fait, d'abord il faut réussir à l'encercler, évidemment. Alors il réagit le dernier. Ah zut, on va tous mourir ici. Je me barre. Et là il panique, il va essayer de partir, mais... on va mettre des grosses torgnoles. Et on va l'encercler pour éviter qu'il se barre. Alors, il y a également des d'achèvement, des critères à remplir pour avancer et obtenir certains traits, d'accord? Par exemple, le trait tueur de masse ici, quand vous tuez un ennemi, vous gagnez plus 35, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, progrès 1 sur 10. Ça veut dire qu'il va falloir remplir la condition 10 fois pour obtenir ce trait. Voilà, et on va faire un progrès chaque fois qu'on va tuer un personnage, un ennemi donc, deux ennemis pardon, dans deux tours. Ça veut dire qu'en deux tours, il faut tuer soit un ennemi le tour 1 et encore un ennemi le tour 2. C'est ce qui s'est passé ici avec lui. Et à chaque fois que je vais faire ça dans le jeu, mon trait va progresser de 1 sur 10 et quand je serai à 10, j'aurai le trait et j'aurai ce bonus là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais ce qui est vraiment cool, je trouve, c'est que ça va motiver les joueurs et ça va faire qu'on va s'attacher au personnage parce qu'on a envie d'obtenir ces différents traits qu'on va pouvoir avoir pour avoir des bonus. Et on sera récompensé également pour faire ces petites actions. Ce sera tuer deux persos en deux tours, mais il y aura également d'autres choses évidemment à faire. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour impliquer, intéresser et récompenser le joueur. Alors, on a trouvé les prisonniers, on les a libérés et l'un d'entre eux nous rejoint.
Eh bien, c'est un bâton d'argent. Non, non, ça c'est de l'équipement qu'on a récupéré. Voilà, on peut libérer ici un lanceur de javelot, un moine de guerre ou un lancier qui est un genre de tank. Je pense que je vais prendre le lanceur de javelot, j'ai envie de voir un truc qui s'est tiré des projectiles. Le trillium, c'est la monnaie du jeu. Et l'essence de vie, ici, c'est ce qui nous permet d'extraire des mutagènes du corps de nos ennemis, de leurs tripes, de leurs entrailles. C'est vraiment un peu dégueu, mais ça fonctionne. Vous avez le coût en essence, ici 30. 120 ici, les plus puissants évidemment coûtent plus cher. Pour l'instant j'ai 40k, je pourrais économiser ou alors prendre déjà celui-là qui augmente l'agilité de 6. Ça me paraît pas super intéressant, je vais pas le prendre. Voilà, j'ai maintenant lire avec moi qui est niveau 1. Et il a de vieux javelots de fer rouillé. Bon, pas top top. Par contre j'ai récupéré ceci. Oui, alors je vais vous montrer un truc, c'est les compétences qui sont là donc pour lui. Et ici, on voit déjà celles qu'on va débloquer quand on sera au niveau requis. Donc au niveau 4, lui va débloquer ceci. Mon berserker, au niveau 4, il va débloquer la force du sang. Alors on verra ça au fur et à mesure. Je vais aller là. Alors, on voit des mercenaires qui combattent des scavengers, donc des récupérateurs, des vautours, des pillards. Ce serait le terme exact, je pense. Voilà notre nouveau copain, Lyre. Et alors, on ne sait pas exactement qui est qui au début, qui combat qui et qui est ennemi. Je pense que eux, ça va être nos alliés et eux, nos ennemis. Parce que je connais du jeu, ça ressemble aux classes que nous, on peut contrôler ici. Donc, on va commencer à côté d'eux. A priori sans avoir trop de crainte. Ça c'est les chevaliers de sang. Vous m'avez trouvé. Bien. Allez, venez tuer ces sauvages. J'étais engagé pour tuer leur boss, mais j'ai raté. Je suis blessé et incapable de me battre. Mes amis et moi ne sommes pas de taille face à cet ennemi. Mais si je survis la bataille, je vous offrirai mes services. Eh bien, cool. Donc lui, il fait quoi? Il peut mettre sur les cases à côté. Il peut augmenter le niveau du terrain. Ça coûte 45 en endurance. C'était assez amusant, ça. Un genre de fouisseur. Et lui, il peut baisser le niveau du terrain également. Marrant. Je vais pas le faire parce que pour l'instant, ça coûte de l'énergie. Alors, on va... Donc lui, il a la riposte critique si jamais on l'attaque et qu'on ne fait pas de dégâts. Donc ça, ça combine très bien avec, évidemment, l'Aegis. Puisque ça va annuler les prochains dégâts qu'il va se prendre. Donc d'office, ce sera une riposte critique. S'il subit une attaque de mêlée, c'est pas une attaque de mêlée, ça ne marchera pas, mais... On peut pas tout avoir. Ils sont nombreux, quand même. Ils sont quand même assez nombreux. Mais ils n'ont pas d'attaque à distance, donc on devrait pouvoir les attendre et les cueillir. À un endroit où il y a du rétrécissement, par exemple. Par exemple, là et là. Ils seront deux à pouvoir me taper dessus quand même, mais on n'aura pas beaucoup plus favorable, je pense. Je vais me mettre là pour leur tirer dessus en étant protégé par les barricades. Voilà, hit chance 100%, dommage 52. Ça coûte de l'endurance. Bon, j'imagine qu'au bout d'un moment, on peut être relativement trop fatigué pour pouvoir agir. Je ne sais pas combien on récupère par tour. Donc d'après le développeur, le jeu est déjà bien avancé en termes de features, donc d'éléments du gameplay, de contenu du jeu. Mais ils doivent améliorer encore beaucoup. Je pense que vraiment, il faut qu'ils bossent, c'est l'interface. L'interface, elle doit vraiment être améliorée. Ça, je pense que ça ralentit seulement. Je pense. On va l'arrêter là. Toi, tu vas venir là.
Voilà, on réagira en fonction des positions des ennemis. Bah, eux vont quand même nous aider, ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc premier, là ça va être bloqué, donc je vais également bloquer les dégâts pour... Oh, j'ai fait sur moi, zut. C'est loupé. Ils vont faire le tour pour attaquer les copains par là aussi. Faut que je les protège, mais je pense que... Avec lui qui est positionné là, on devrait pas avoir trop de difficultés. J'aimerais bien qu'il rajoute des animations de mort également, plutôt que des ennemis qui explosent. Voilà, allez, hop! Counter-Strike 2. Critique, mais bon, il a une armure apparemment assez costaud, donc ça n'a pas pu faire grand-chose de très très bien. Voilà, il y a des compétences et eux les ont aussi de charge pour repousser l'ennemi. Le jeu joue beaucoup avec le terrain, avec le positionnement. Je pense qu'il y a une vraie réflexion tactique de la part des développeurs. J'espère que ça va être bien, je n'ai pas joué assez pour le dire. Mais voilà, lui par exemple, il peut faire le bash qui va repousser l'ennemi de deux hexagones quand même. Il peut également faire le bash and move, donc il va le repousser et le suivre pour prendre sa place, enfin aller plus loin. Là, j'ai pas vraiment... Je pense qu'on va attaquer celui-là pour le terminer ensemble, tous ensemble. Je vais aider les copains peut-être ici. Boum. Et ici, on peut le terminer facilement en faisant ceci. C'est hyper puissant, le seul souci c'est qu'il faut que mon prêtre soit à côté, donc ça l'expose, mais c'est très très puissant. Allez, on devrait pas avoir trop de problèmes, c'est normal, c'est le début de l'aventure. On va... Je sais plus qui a terminé celui-là, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui, mais ce serait bien que lui termine lui, mais... À toi voir. Je joue à la sécurité. Je dis ça, c'est pour le trait et le défi. Après, je l'aurai pas dans le cadre de cette découverte, c'est trop long. Voilà, il a également débloqué cette possibilité-là. C'est lui qui avait tué l'autre, alors il a tué celui-ci, voilà. 1 sur 10 de progrès. Ça peut quand même aller relativement... J'irai pas vite, mais... Alors, vous avez également le lifesteal. Donc lui, alors à ce moment-là, il gagne la possibilité de voler des points de vie, un pourcentage des points de vie qu'il inflige. Vous allez voir. Boum. Je récupère quand même 39, c'est pas mal du tout. Mm-hmm. Petite charge, peu importe. Est-ce que je peux... Ouais, il faut vraiment être à côté pour lancer ce sort là, donc là je pourrais pas faire grand chose. Et là le problème c'est que... Alors ce qu'on peut faire dans le jeu c'est également changer de position avec un mec qui est à côté, mais en général ça termine le tour, on n'a plus assez de mouvement. Je pense qu'il y a des compétences qui permettent de quand même pouvoir encore agir après. Je vais me mettre là. Alors lui il fait vraiment rien, il est en effet incapable de se battre. Voilà, je mets à côté. Ah, là, il a aucune chance. Bam, victoire. Sans trop de soucis. Je vous dois la vie. On a gagné un javelin de... d'argent. Cool. Alors, j'ai 85 essence. Pour 60, on peut avoir critique empoisonné. Sur un critique qui n'est pas bloqué, l'ennemi devient empoisonné. Ouais. Là, on est capable justement de faire l'action que je viens de faire, donc échanger la place avec un allié beaucoup de fois.
Et on peut même encore attaquer après, si je comprends bien. Ça peut être utile. Rien non plus de si foufou. Je vais garder mon essence pour vraiment ceux à 120 qui sont les mieux. Alors, on a de la prise de niveau également. On va le faire. Et Arda est passé niveau 2. On peut augmenter 4 statistiques dans le jeu. La force, qui va augmenter les dégâts de l'arme. La vitesse, qui augmente les points de vie. Non, la vitalité, pardon. L'agilité, là, j'ai pas vraiment tout regardé en détail. Ça augmente l'endurance. Ça augmente la vitesse. Et donc, la rapidité d'action dans la barre d'initiative. Et puis, la constitution, qui augmente le gain de concentration. J'ai pas encore non plus beaucoup joué avec ça. La concentration, c'est un genre de jauge qui est cachée dans le jeu. Je ne l'ai pas vu, cette jauge-là. Et quand elle est pleine, ça peut vous permettre de faire des actions spéciales. Voilà, donc apparemment, lui, il joue pas trop sur la concentration. On va vraiment jouer sur les dégâts. Je vais lui mettre tous les points en dégâts. Arin, lui, comme j'ai pas vraiment de tank dédié, j'ai quand même envie qu'il ait beaucoup de vitalité. Un peu de dégâts. Voilà, on n'a rien débloqué. C'est au niveau 4 qu'on commence à débloquer des nouvelles compétences, apparemment. Je suis là. Le marché noir. On va continuer par là pour l'instant. Une barricade. On a des soldats qui entourent d'autres soldats prêts à frapper. Bon, allons voir. Allons-nous les intercaler. Et j'ai oublié d'équiper le javelot en or, par contre. Oh, en or, en argent. Alors là, c'est des ennemis, et là aussi. Et là, c'est probablement des alliés. Ok. Toi, tu vas aller là. Toi, tu restes là. Ok. On va faire ça comme ça. Ouais, deux alliés. S'il vous plaît, aidez-nous. Ces fichus mercenaires chasseurs de primes nous veulent morts. Restez en dehors de ça, voyageurs. Ce sont des déserteurs et nous avons été engagés pour les tuer. Et il murmure à son collègue. Après qu'on en ait fini avec ces déserteurs, on devrait s'occuper de ces voyageurs. Je crois qu'ils ont des choses de valeur. Ha ha! Quel humour! C'est de l'humour de chasseurs de primes. Bon. Trop loin. Je pourrais mettre un piège parce que je pense qu'ils vont. En même temps, nous, on va devoir s'avancer aussi, donc c'est peut-être trop tôt. On va pas le faire. Alors, je vais m'avancer pas trop non plus. Faut faire gaffe parce qu'on peut pas passer au travers des alliés, hein, donc on peut. Si je bloque les autres, ils vont devoir me contourner. Ok, alors lui, il a la charge. Il associe l'attaque en vol de vie. Par défaut, apparemment, il l'a. Il a deux charges. Je crois qu'il faut l'extraire, apparemment. Il faut, avec 60 d'essence de vie. Faut que je vois exactement comment ça marche. Bon, en tout cas, il a une charge. Mais il est probablement trop loin. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Ouais, ça marche. Dommage. 92, coûte 45 en endurance. D'accord. Après, se retrouver tout seul face aux ennemis, c'est pas forcément le bon plan. Même probablement pas. Voilà, lui peut aller là. Alors, il a de la protection sur allié. Donc il peut protéger avec son bouclier l'allié à côté. Mais si je fais ça, je pense que je pourrais pas attaquer. Donc là, je préfère quand même attaquer. On risque de le perdre. Bon, si on le perd, c'est pas grave. Si on le perd la première fois, il est considéré comme blessé. On peut encore l'envoyer au combat. Mais s'il est reblessé à nouveau, donc s'il perd toute sa vie encore, à ce moment-là, il sera mort. Donc il faut utiliser les médecines pour
soigner les ceux qui ont été blessés pour qu'ils soient qu'ils n'aient jamais le risque de mourir définitivement. C'est le but. Alors toi tu vas terminer celui-là. Parfait. Toi tu vas aller là et on va lui mettre l'Aegis pour être sûr qu'il se fasse pas tuer, enfin sûr. Donc il y a plus de chance. Oh, il est bien haut lui. Comment il est monté là lui? Ah, il est monté par là. Et là, je vais pas pouvoir l'attaquer en main. Ouh. On va faire le tour par là, c'est pas grave. Ouais, il est vachement trop... trop haut. C'est un mec en armure, faut que je fasse gaffe. Mais lui peut briser l'armure. Je vais venir à côté. Allez, c'est bon. Ça fait mal. Ah oui, il est temps de vous réveiller, vous deux. Alors on peut dézoomer hein, quand même jusqu'à un niveau assez intéressant et on peut zoomer également voilà, jusqu'à ce niveau-ci. Comment est-ce que je... Est-ce que je peux charger dessus? Pas comment je ferai... Je vais tenter mais... Non. Non, ça n'ira pas. On est bloqué. Alors par contre là je peux y aller à du 100%. Que les dégâts ont été réduits par la hauteur. Ah, du mal à... Il aurait fallu que je mette lui devant. On va essayer de mettre lui devant après pour pouvoir repousser celui-là pour qu'on puisse passer en fait. Là, ça va pas être possible. On peut faire ça quand même à deux distances, c'est bien. Je peux pas le faire indéfiniment hein, parce que ça ponctionne un tiers de ma vie. J'ai une grosse pénalité parce qu'il est plus haut, je pense. 52 moins 32, ouais, je pense que c'est ça. Ouch, 210 critique. Voilà, il est blessé. Ce qui n'est pas la fin du monde. Je risque également de me faire blesser. On va quand même faire ça. À la hauteur, c'est vraiment important. Oh punaise. Ils vont finir par servir à quelque chose quand même, ces deux-là. C'est bien. Je peux pas? Ah, on peut pas changer de position avec un mec qui est étourdi. D'accord. Vous voyez comment le terrain va fort... fort jouer quand même dans le jeu. Je peux pas mettre là, c'est trop dangereux. On peut plus trop faire de trucs particuliers en fait. On va rester là. Là, bah... Ah, mais je peux baisser le terrain avec lui, c'est vrai. Je peux pas le faire ici. Je peux peut-être pas le faire si quelqu'un est en position. Peut-être que ce serait trop facile. Juger trop facile. Fait mal hein, le mec là-haut. Vraiment qu'on finisse celui-là assez vite. Allez, bien.
Ah, par où j'ai... Ouais, je peux aller là. Va bien le pousser là, mais... Ah, mais je peux. Boum. Il a moins à faire le malin maintenant. Bam. Vous avez sauvé le chef des déserteurs. Il a rejoint votre groupe. On le verra après. 60. Alors, sur un coup critique de mêlée non bloqué, on va repousser la cible d'un hexagone. Pas forcément toujours souhaitable. Ah, ça, ça donne une réplique à chaque tour. Franchement, c'est pas mal, ça. Ah oui, d'accord, je comprends, c'est cher. C'est 120. Et j'ai 130. Voilà, je peux le prendre. On a gagné également des choses ici. Je vais fermer. On va s'équiper un petit peu mieux. Parce que j'avais des choses à prendre, notamment pour lire ceci. La réplique. J'aime bien Arin. En même temps, la réplique sur lui, ça pourrait être pas mal. Dégâts 95, 61. Alors, Ortouk, niveau 2. Il faudrait surtout qu'il ait peut-être plus de vie, ce serait pas mal pour lui. Apparemment, l'agilité est importante également. Harry, niveau 3. Vitalité, force. Et Lyre. Peut-être. Apparemment, la force joue également sur les dégâts du lancer de javelot. Voilà, j'ai mis les meilleures armes. J'ai mis ce qu'il fallait. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est essayer de soigner du coup lui. Vous voyez, il est ensanglanté. S'il perd encore toute sa vie dans un combat, c'est fini, il est mort. Mais je peux le soigner. J'utilise alors une médecine. J'en ai 4. Ah, il y avait encore un point d'exclamation, tiens. Je viens de le faire. On va plutôt continuer. Il y a des fois d'autres groupes qu'on peut rencontrer. Je sais pas s'ils sont systématiquement ennemis ou pas. Alors. On est le nombre max maintenant qu'on peut déployer. Voilà les ennemis. On va commencer... Avec lui devant, lui à côté, lui pourra facilement se rapprocher avec un saut. Un villageois qui est fortement secoué. On a été pris en embuscade par ces voleurs. Je suis un commerçant et je n'ai pas grand-chose. Et si on survit à cette journée, je vous donnerai des réserves. On l'a vu se mettre en hauteur peut être très utile. Je vais aller par là avec lui. J'ai envie de tester juste pour voir. Je peux pas attaquer de toute façon, je suis trop loin. Voilà, on peut monter ça, mais pas s'il y a quelqu'un sur l'endroit. Ok. Je vais rester dans ce coin-ci, on va pas trop avancer avec lui. Et lui... Est-ce que j'ai de l'armure? Pas vraiment, j'ai pas d'armure avec lui, donc... On va y aller mollo. Alors lui par contre il est protégé. Par la Aegis il peut y aller. Oh! Oh c'est un allié, oh c'est les alliés ça en fait. Pourquoi est-ce que je vais par là alors? Ce sont les ennemis. Oh, d'accord, ils sont quand même assez nombreux. Mais bon, on n'est pas tout seul.
Ils ont cette dégaine, ceux-là. Les ennemis ont vraiment des sales tronches, mais nous aussi on a des tronches qui sont pas vraiment recommandables. Hop, la petite charge. Quand un perso est stunned, qu'il est étourdi, il se prend d'office des critiques, je pense. Également une mécanique que je voudrais vous montrer, c'est l'attaque de soutien à distance. Je vais vous montrer ça après. Quand ce sera à lui à jouer. Alors ici, les ennemis les plus proches, peut-être aller par là. Voilà, je vais aller ici. Oh, ça l'a pas fait. Je pensais que l'attaque à distance allait se déclencher. Je crois que c'est quand on reçoit une attaque alors. Et qu'on est près d'un allié tireur à distance. Bon, potentiellement c'est ça. On va peut-être le voir. Vous voyez, avec une bonne armure, le Counter-Strike 2, il est bien. Patience. Un sur 3. Quand, après avoir attendu, la prochaine attaque non bloquée est un critique. Ok. Et là, c'est d'office un critique puisque c'était le Counter-Strike 2. Ça peut se faire assez vite, hein, si c'est juste 3 qu'il faut. Pas beaucoup de vie, j'ai pas resté aller trop devant. Il l'a pas attaqué, dommage. Tiens, prends ça. Ouais, pas trop le choix. J'aurais pu le pousser là-dessus, éventuellement, le faire tomber là. Ça peut être utile. Je vais le pousser là, on va voir s'il se fait prendre des dégâts avec les pics. Ouais, quand même, 40. Plus un petit saignement, c'est pas mal. Ah, c'est des zones mortelles ça, d'accord. Ça rajoute encore de l'intérêt au fait de pouvoir pousser alors. Ah oui, d'accord, là c'est carrément, c'est pas des dégâts, c'est mortel. Ça risque quand même de rendre la poussée vraiment surpuissante. Alors, fort contre. Alors, il y a apparemment des cibles, des types de cibles qui sont faibles contre une autre classe, on dirait. Je vais remonter avec lui parce qu'ils sont, ils sont beaucoup en haut. Hein. En bas, il n'y aura pas de problème pour eux. Peut-être terminer celui-là. Et du coup, lui, bon, on va lui donner la monnaie de sa pièce. Hein. Ah bah d'accord. Ah quand même, je me disais aussi. Quelle violence. Donc n'oubliez pas que le jeu est en accès anticipé, hein, donc il va encore se développer. Je ne sais pas quand le jeu va sortir sous son format définitif. Et d'après les développeurs, il sortira en tout cas quand il sera en version finale sur Steam. Allez, c'est bien. Là, on est quand même deux. Donc... pa,
Papam, pourquoi est-ce que... Ah oui, c'est un allié. Ils ont une attaque simple. Vraiment, je me méfie de ceux qui peuvent pousser. Et se souvenir que le lanceur de javelot, il est fort contre les porteurs de haches. Dommage que je peux pas aller là. J'aurais eu le contournement. Je pense que le moins 9, c'est parce qu'on est c'est vraiment parce qu'on était en dessous. Le halebardier, j'imagine qu'il a une charge également. Il y a du sang partout. Ah oui, contre-attaque de mêlée, ça veut dire que quand on attaque un mec en mêlée avec un mec à distance alors qu'il est juste à côté, il se prend une contre-attaque avant même de pouvoir attaquer à distance. Donc ça faut vraiment éviter. Faut vraiment éviter. Je vais me mettre là. Je crois que le prêtre il se nourrit de la mort des autres également. Je vais régulièrement reprendre des points de vie quand je tue quelqu'un. Quand un ennemi meurt, il soigne pour 40% des points de vie max pendant 2 tours. Pas mal. Pas mal du tout. On a eu un coup gratos. Allez, c'est bientôt la fin. On va voir en plus le critique, donc c'est fini. Une belle victoire. Du trivium et une épée d'argent. Du niveau, augmente la concentration. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais ce que c'est que je l'ai pas encore vraiment vu à l'œuvre cette concentration. Voilà. Alors lire. Et Fenrin. Il va un peu comme un bourrin, c'est très bien. J'aimerais bien aller à la sortie en fait. Normalement je devrais farmer un petit peu le... Je devrais clairement farmer la zone. Hein. Voilà, ça c'est la sortie normalement. La zone de sortie. Et évidemment, il y aura un boss à chaque fois. Je crois que c'est lui, le mec avec son œil crevé. S'il n'y a pas trop de tireurs, on peut être pas mal. Bon, il y a lui. Est-ce qu'on pourrait éventuellement se mettre en défense ici. Et je peux quand même le faire. Toi et toi là. Bon, je vais mettre chaque fois un bourrin et un mec un peu plus défensif ensemble. Voilà. Voilà, on va faire deux groupes de trois.
Ok, le boss des pillards. On doit juste se tuer. Bon, on va essayer de pas se prendre les pieds dans le tapis. On va quand même avancer, hein. Je suis relativement confiant. Pas dégâts, mais contre-attaque. D'office. Lui, il ne devrait pas me rapprocher assez. Non. À moins de me mettre dans le piège, mais j'ai pas trop envie. Ce que vous pouvez aisément comprendre. Faut pas que je me mette en dessous comme ça, c'est vraiment trop dommageable. Je peux mettre là pour attaquer celui-là de haut, mais ce serait mieux de finir celui-là quand même. Je vais mettre là quand même pour prendre la place. On ne tiendra pas le coup longtemps, lui, de toute façon. Là, on est quand même au-dessus. Vraiment, la position en hauteur est très, très importante. Ouh là 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 là. Je pense que c'est la concentration, la barre verte. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion vraiment d'en gagner encore. Je sais pas pourquoi lui, il a le droit d'en gagner, mais bon, souhaite. Elle est fort contre les cibles en dessous, en fait. J'avais pas compris ça avant. Donc faut juste voilà, s'habituer à tirer depuis le dessus et on finira par avoir ce trait. Bon là je l'aurai pas hein, parce que je pense qu'on va perdre, mais... vous comprenez le... J'aurais dû faire le lead là. Ouais. Oh, je suis pas mort. Incroyable. Bon, je suis au-dessus, il faut peut-être en profiter. On est un peu seul contre le boss quand même. Hein. Si je pouvais en ramener un deuxième, ça ferait plaisir. Là, pour l'instant, on va... Si je swap, ça va être pire qu'avant. C'est un peu le problème. Et lui, il agit dans combien de tours? Il va agir avant les autres qui sont de ce côté-ci, cela dit, mais... Donc j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Je vais... aller là et faire bash and move. Prendre la position sur le bord. Ouille. Rehouille. Faut que je m'éloigne. Il perd quand même assez bien d'avis, hein, mais bon. Ah, il faut que je me mette à l'abri par contre. Il joue quand lui? Il joue juste après? C'est fâcheux, c'est fâcheux. Je vais essayer un truc. Si je fais ça, je meurs. Ouais, je peux me mettre là. Et avoir le coup critique. Voilà, c'est quand même pas suffisant. 121 dégâts, c'était pas mal, cela dit. Alors, le problème, c'est que du coup, maintenant, plus moyen d'être en hauteur par rapport à lui.
Bon, ce qui est bien, c'est que je suis encore vivant. Pas mal. Je serais bien un petit peu tout seul celui-là, le temps de finir ceci. On va bien chercher celui-là. Ouïouïouïouïouï, ouais, bon, ok, lui. D'accord. Je crois que ça devrait quand même aller. Ça devrait passer. Parce que là, il y a moyen de faire. Le problème, c'est que... Je vais mettre là et on va le pousser. Ah, il peut pas. Il peut pas. Il tape fort. On va perdre le barbare. Par contre, lui, ça va aller. Cette violence. Il a voulu me mettre près de lui, mais de toute façon il peut bouger donc. Ah non, je l'ai pas terminé. C'est pas vrai. Oh ça va. Je pense que je vais quand même perdre. Finalement. Dès qu'on peut... Ah voilà, il fallait juste se tuer, d'accord. Voilà, on a battu le chef des pillards. Et on a un casque d'acier légendaire. On peut également avancer dans la zone. Suivante, d'ailleurs. Et on arrive dans les marais. Donc, comme dans la zone précédente, après un certain temps, le Carola va commencer à apparaître. Bon, du coup, là, on l'aura pas vu, mais... Peu importe. Ce que je peux peut-être faire, c'est... zigzaguer ici. Il va finir par apparaître, je pense. Ah, c'est écrit en rouge, donc je pense que ça va être des ennemis. Côté, on peut s'équiper... Lui commence à être vraiment balèze. Vraiment balèze. On récupère les mutagènes du copain. C'est un autre type de truc. Je peux pas le mettre là. Et on récupère ses armes également. Ok. Rester ici, c'est juste pour vous... J'espère que ça va pas planter. Pour vous montrer l'apparition... Je sais pas où on voit là... Ah voilà, les journées, c'est ici. Si je reste trop longtemps ici, on va finir par attirer le monstre. Normalement. Histoire de terminer en beauté. Non, il vient pas. Je fais encore un aller-retour et puis je vais par là. Je pense qu'on va se faire attaquer. Ouais, il faut se défendre. Peut-être lui d'ailleurs. Mais je pense pas. Ah si, voilà. En fait, il m'attendait là. Il m'attendait au carrefour. La bête Carola. Toxique. Plus de viande pour moi.
On peut essayer de tuer ou alors essayer de s'échapper dans la zone de fuite. Tout simplement. Oui, alors je vais faire n'importe quoi, évidemment. Alors, on va pas la jouer. Enfin, je vais quand même juste vous montrer le monstre, mais il va rien faire spécial. Hein. Il tape avec son arme et puis voilà. Une version plus évoluée de cela. Alors, est-ce que c'est... Non, Ariok, voilà. Voilà, ils attaquent avec leur arme, ils sont plus forts. Il y a différents niveaux de Carola, évidemment. Là, on est au début du jeu, ils sont pas encore trop puissants. Voilà, on va se quitter ici pour cette découverte. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien, et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un bouton quelque part pour faire ça. Activez la cloche si vous voulez être notifié des sorties de mes vidéos. Et puis, j'espère vraiment que ça vous a plu, que le jeu vous a également tapé dans l'œil. Un petit jeu indé qui est franchement bien foutu. Hein, au niveau des graphismes également, il me plaît beaucoup. Donc, il faut voir évidemment ce que ça va donner à la sortie définitive du titre. Je le garderai pour ma part à l'œil. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire également pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite une très bonne continuation. Salut à tous.